Prêt, petite sœur ? Prêt, grand frère ? Les enfants, vous êtes prêts à suivre le meilleur cours qu'on peut trouver pour 4 euros et 800 000 ? Ah ! Que l'apprentissage commence ! Vous êtes prêts à suivre le deuxième meilleur cours qu'on peut trouver pour 4 euros et 8 centimes ? Joué, mes chers petits. Quoi, vous voulez dire que ça, c'était un exercice? La leçon qui n'est pas fraîche et nouvelle peut malgré tout être nécessaire. Non? Voilà nos derniers 4 euros et 8 centimes. Allez acheter du nouveau matériel en ville. Dans un monde de chaos et de confusion, frères et sœurs sauvent la situation. Yin-yang-yo! 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 C'est elle! Yin, spécialiste de la magie, déchoue les mauvais sorts de rayons d'énergie. Yang se bat avec les chinois. Je coupe, je démolis! Bla bla bla! Ils ont tout appris de maître Yo, un pieu pour la crache, pas rigolo. Dans un monde de chaos et de confusion, frère et sœur sauve la situation. Yin Yang Yo! 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 Quand force et magie sont réunies, le plan des méchants est anéanti. J'arrive, maman. Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Ça craint! Moi, je recycle. Je devrais peut-être récupérer cette canette. Maître Yo la réutiliserait dans son soi-disant gymnase. Yang, nous sommes les deux derniers chevaliers Wufu dans un dojo de 2 élèves. Il va bien falloir qu'on fasse avec ce qu'on... Yang! C'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Très bien, les filles. Vous êtes prêts pour votre leçon quotidienne au Super Club d'Ultimus? Alors les filles, vous imaginez sérieusement que vous êtes assez costauds pour vaincre Ultimus? Je n'aime pas du tout sa manière d'utiliser le mot fille. Il ne devrait sans doute pas faire comme si c'était une insulte, mais franchement, c'est le plus beau dojo que j'ai jamais vu. Alors je m'en fiche. Toi. Vas-y, danse. Pas comme ça. Ouais, frappe-le! Cool! T'as vu comment il a complètement humilié cette fille? Eh bien moi, je ne trouve pas ça cool du tout. Et cet élan minable et court sur pattes n'est pas prêt de me voir mettre les pieds dans son dojo. Ils ont une pédicure. Pousse-toi de là que je m'y mette. Wufu, vous portez une armure quand vous combattez? Non. Vous serrez vos adversaires dans vos bras jusqu'à la mort? Oui, quelquefois. Wufu. Oui. Vous les rigolos du Wufu, vous n'avez rien à faire dans le dojo d'Ultimus. Hey, le Wufu, ce n'est pas seulement du combat, c'est de la magie aussi. De la magie? Vous agitez une baguette magique, vous sortez des lapins de votre chapeau. Vous, ça ne vous servira à rien. Mon garçon, toi, tu me plais. Tu as du cran. Du cran? Mais ça ne te suffirait pas contre Ultimus. Quant à toi, il n'y a pas de place pour la magie dans mon dojo. Eh bien, mon frère et moi, on fait équipe. Et jamais il n'acceptera de rester ici sans moi, pas vrai? Yang! Yang! On a une manucure. Oh, mon rêve, qu'on s'occupe de mes mains. Pousse-toi de là. Je n'arrive pas à croire qu'il soit resté là-bas sans moi.
Yin, personne ne vous a forcé. Vous êtes venu à mon dojo librement. Il y avait un bon de réduction. Soit, il y avait une réduction. Mais voyons, ce n'est quand même pas la fin du monde. Yang a payé le timous avec les 4 euros et 8 centimes. Combattant du Timous se bat d'abord et c'est seulement ensuite qu'il pose des questions. Oui, vas-y, c'est bon, attendris-moi la viande. Tu vas devenir fort comme un élan. Pas question de rester faible comme ta sœur. Pourquoi? Est-ce que tu as un cri de combat? Bien sûr. Ki-ou-wa! C'est nul, ce qu'il te faut c'est un cri terrifiant. Comme moi, Ultimous. Hou, ha, hou. À ton tour. Salut, tu viens souvent ici? Pas mal pour un type qui n'a que 4 jours d'entraînement. Je me suis beaucoup entraîné ailleurs, avec ma sœur et maître Yo. J'ai pas envie de continuer à me battre. Tu as bien travaillé, Ultimous, en réussissant à séparer Yin et Yang. Quand ils sont ensemble, leur super pouvoir wufu gêne mes plans. Mais maintenant qu'ils sont séparés, ils ne peuvent me vaincre. Ultimous tient ses promesses. Ultimous tient toujours ses promesses. Demain, pendant la cérémonie du serment, il tournera le dos à son passé de chevalier du wufu pour toujours. Ouh, ha, ouh. Oui, c'est génial. Tu me fais un café? Facile! Ultimous tient ses promesses! Ultimous tient toujours ses promesses! Tu n'es pas encore couché? Waouh, c'est nouveau! Plutôt cool! Même si c'est seulement de la magie, pas vrai? Oui! Et je ne suis rien qu'une fille stupide, pas vrai? Oui! Non, j'ai jamais dit ça! Peut-être pas toi, mais ton nouveau maître, et tu ne m'as pas défendu! Tu as une très jolie voix quand tu chantes. Marchera pas. Aujourd'hui, prestation de serment sur le sang. Barbe à papa gratuite. Je ne vois pas pourquoi on est ici. Parce que ton cher petit frère s'apprête à faire un choix important. Et la barbe à papa est gratuite. T'en veux? Ah, plutôt mourir. La barbe à papa ou la mort? Y a pas une troisième possibilité? Si, des chips. Non. Alors les filles, vous êtes prêtes à passer au niveau supérieur des combattants d'Ultimous? Vous allez signer avec votre sang un serment de fidélité au dojo d'Ultimous et à Ultimous. Et toi, tu vas passer en premier. Si tu veux le casque à cornes avec ton nom écrit dessus, tu dois quitter la confrérie du Wufu et renoncer à la compagnie de ta petite sœur pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? Mais je... je renonce à... Non, je ne peux pas. Comment? Je ne peux pas et je ne veux pas. Tu as vraiment envie de retourner au Wufu, espèce de fillette? Oui, parfaitement. Et cessez de dire fille comme si c'était un gros mot. Ma sœur est une fille et elle n'est pas si bête que ça. Et si je devais choisir entre être une fille de la confrérie du Wufu et un combattant Ultimous, alors tu peux aller me chercher une jupe parce que moi je choisis d'être une fille. Assieds-toi. Mais tu ne me laisserais pas tomber. Vraiment? Non, j'ai déjà revendu tes affaires, mais on les retrouvera. Nouveau test pour atteindre le niveau suivant. Détruisez Yin et Yang. Prête, Frangine? Je suis prête, Frangin. Finalement, c'est ça qu'il nous faisait apprendre. Allez, viens, rentrons à la maison. Personne ne laisse tomber Ultimous. Revenez vous battre. Voilà, j'ai trouvé des chips. J'ai manqué quelque chose?
Tu te rends compte que tu viens de renverser mes chips? Ned. Oh non, je viens de me rendre compte que j'ai donné tout l'argent qui nous restait à cette espèce de crétin. On n'a pas de quoi racheter du matos. Timo, je serais heureux de vous voir accepter un remboursement complet. On y va, les enfants? Pourquoi tu sens les chips et l'élan fricassé? J'ai perdu mes étudiants, j'ai perdu ma dignité. Enfin, il me reste encore mes corps. Mais donc, je suis encore Ultimos! Tu m'as laissé tomber. Non! Non! On essaie encore une fois? Pas de problème, Maître Yo! Je savais bien que tu me rappellerais. Mes amis me disaient que non, mais moi je le savais. Et tu m'as rappelé.